Crépin, bonjour. Vous êtes fondatrice directrice de UpEasy, l'école supérieure d'informatique. Alors, que proposez-vous comme programme à Montpellier? Bonjour, nous proposons des formations à partir du bac jusqu'au bac plus 2, bac plus 3 ou bac plus 5 en informatique, en développement ou en infrastructure. Le principe de l'école est de rester une école familiale avec un cursus à la carte pour justement étudier les matières dont on a besoin et dont on a envie d'étudier plus tard. Alors, que délivrez-vous comme titre ou comme diplôme à l'issue de votre formation? Donc, à l'issue là, on a un diplôme et deux titres. On délivre le BTS à la fin des deux premières années, un titre de niveau 3 à la fin de la troisième année, un titre de niveau 1 à la fin de la cinquième année. Alors, ce sont des métiers qui sont un petit peu en tension. J'imagine qu'à la fin de ce cursus, on trouve un emploi sans trop de difficultés. L'informatique est un domaine qui recrute énormément, quel que soit le niveau. Donc, il n'y a pas de souci réellement après pour trouver un emploi. En plus du diplôme, ce qu'on propose, c'est de faire passer les certifications constructeurs au sein de l'école, ce qui rajoute un plus sur le CV pour les recruteurs. Alors, il existe beaucoup d'écoles d'informatique. Quelle serait votre spécificité ? Notre spécificité, c'est vraiment le parcours à la carte. C'est-à-dire qu'à partir de la troisième année, on impose un tronc commun, mais l'étudiant choisit ses modules et se crée lui-même son propre profil pour avoir le poste qu'il veut vraiment à la fin de ses études. Alors, quel type de profil vous recrutez, notamment au niveau des terminales? Il faut être geek, il faut être doué en informatique. Vous demandez quoi? Alors, pour être recruté, on demande surtout de la motivation et de la logique. C'est tout ce qu'on demande. Quel que soit le bac passé, quel que soit le niveau, on demande principalement de la motivation, de la logique et l'envie de créer en informatique.